C'est moi, Gilmas, toujours dans les bons. Restez toujours scotché, puisque les bonnes choses seront toujours ici dans la chaîne des Chroniques d'Inès TV. Mon cher, mes frères, la vidéo ici est pour vous. Vous qui voulez évoluer, la vidéo ici est pour vous. Réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu, mes frères, mes sœurs. Tu as quitté chez toi. Tu as quitté chez toi. Un petit pauvre, vous avez vendu votre parcelle pour aller en Occident. Vous aviez vendu tous vos biens de la famille pour aller en Occident. Tes parents, tes familles sont devenus des locataires. Juste pour que tu viennes en Occident, tu pourras travailler et aider la famille. Depuis que tu es ici en Occident, au lieu de travailler, au lieu d'investir l'argent, tu es dans la boisson, tu es dans la sape, tu es dans des aventures qui n'ont pas de sens. Pendant que chez vous, ils attendent de toi quelque chose de bien. Tu es venu en Europe, c'est toi qui es devenu un gras buveur. Tu es venu en Occident, c'est toi qui es devenu un gras fumeur. Tu as oublié les objectifs que tu avais avant de quitter chez toi. Tu as oublié ce qui t'a amené ici en Occident. Africain, ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux. Tu as tapé plus de 10 à 15 ici en Occident. Tu n'as jamais travaillé. Tu es devenu vagabond. Tu es devenu un avare. C'est ça la vie. C'est toi qui fais les affaires partout en Europe. C'est toi qui fais les affaires avec toutes sortes de femmes. C'est toi qui comptes le nombre de femmes avec qui tu as couché avec. Sans avoir honte. Au moment où tu comptes le nombre de femmes que tu blagues avec, il y a les gens qui comptent l'argent, qui comptent le nombre des assets qu'ils ont achetés, qui ont des actifs dans leur vie. Toi, tu es là pour compter les femmes que tu as détruites, les petits gaous. C'est pour cela qu'on n'évolue pas. L'Africain n'évolue pas. Il est toujours tombé dans des bassesses. Il est tombé dans des choses qui ne font pas évoluer la vie, qui ne font pas évoluer la famille, qui ne font pas évoluer la société. C'est ça un homme noir. Et puis, quand tu n'auras pas de travail, c'est toi qui te plains. Oh, on ne vous engage pas parce que tu es noir. Qui t'a dit qu'on ne t'a pas engagé parce que tu es noir? C'est parce que tu n'es pas intelligent. C'est parce que tu ne sais pas ce que tu veux. C'est parce que tu ne sais même pas pourquoi tu es ici en Occident. Des petits vauriens. Il y a des femmes qui se battent jour et nuit après être déçues par vous, les gaous des garçons. C'est elles. Ce sont des femmes qui cherchent à soutenir les foyers. C'est elles qui se battent pour que les enfants vont à l'école. C'est elles qui vont payer pour les assurances de vie de la famille. Pendant que vous, les hommes, vous êtes ces mal-là. Vous avez oublié vos objectifs. Vous êtes venus en Occident sans vision. Vous êtes venus ici en Occident sans objectif, sans vision, sans plan, sans planning. Vous vivez, au lieu de vivre, vous ne vivez même pas. Vous vivotez, vous survivez. Parce que vous n'avez rien en tête. Chez vous, maintenant les gens sont dans la galère, ils sont dans la route. Ils ne savent même pas quoi faire. Mais tu es ici, devenu vagabond, tu es devenu combattant, tu es devenu politicien, tu es devenu opposant. Tu as échoué, mais tu veux donner des torts au gouvernement qui n'a rien à faire avec toi. Compare-toi à ceux qui sont venus avec toi au même moment. Par exemple, les Chinois. Compare-toi avec les gens qui sont venus avec toi au même moment. Les Marocains. Où sont-ils aujourd'hui par rapport à toi? Tu viens en Occident, tu ne t'y dis pas. Tu viens en Occident, tu ne travailles pas. Tu ne veux rien savoir. Mais tu veux seulement vivre sur l'assistance, sur les assistances des gouvernements. Et puis tu espères que tu vas...
tu seras un riche dans la vie. Tu espères une vie meilleure. Mes chers amis, après avoir dépassé l'âge de 40 ans, votre force ne sera pas la force que vous avez pendant 20 ans. Si vous gaspillez, vous dépassez votre énergie à des futilités pendant la jeunesse, rendez quitta. À votre âge d'adulte là, vous allez regretter. Que ce soit maman, que ce soit papa, si vous ne travaillez pas, vous vivez derrière vos enfants. Vous vivez derrière l'argent des enfants. Vous ne travaillez pas. Le jour où les enfants là, vont grandir, le jour où les enfants là, vont dépasser l'âge de 19 ans, de 20 ans, vous n'aurez plus cette assistance-là. Votre temps de travail, votre corps ne sera plus fort. C'est à ce moment-là que vous allez réfléchir à retourner à l'école. Vous allez réfléchir à aller chercher d'emploi avec l'âge qui sera déjà l'âge près, qui sera poussé à la retraite. Réfléchissez à cette heure-ci. L'état que vous passez, l'état que vous gaspillez dans des banalités, ça va vous coûter cher un jour. Ici, en Occident, tout est calculé. Si vous comprenez le système de l'Occident, tout est calculé. L'âge de retraite est calculé. L'argent que vous pouvez sauvegarder depuis l'âge de 18 ans jusqu'à 50 ans, aussi si vous aviez investi pendant ce temps-là, vous ne serez pas vraiment, vous n'aurez pas de problème pendant l'âge de retraite. Mais aujourd'hui, quand on voit les gens qui n'ont même pas l'argent de retraite, c'est la majorité de nos Africains. Ils ne sont même pas capables de se taper même l'assurance maladie. Une assurance qui est tellement simple à faire. Mais quand il meurt, c'est eux qui donnent la charge à toute la communauté. C'est la communauté qui prend charge de telles personnes. Pendant que vous avez le temps de vous organiser, vous avez le temps de passer à votre futur, vous avez le temps de passer à l'avenir de vos enfants. Mais vous engagez dans des futilités, dans des musiques, dans des polémiques qui n'ont pas de sens. Pendant que à la fin du temps, à la fin, à quand vous allez vous allez dans votre maison, vous allez au lit, c'est l'état où vous allez maintenant donner les comptes rendus. Chaque fois, qu'est-ce que vous aviez fait la journée? Comment était la journée? Quelles sont les choses que vous aviez fait, les choses positives dans la vie? Qu'est-ce que vous aviez fait à la fin du compte? Au lieu de réfléchir sur l'investissement dans vos affaires, pour investir dans l'assurance maladie, investissez dans des assurances vie. Il y a beaucoup de choses que vous allez faire et ça ne coûte rien, ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Si vous travaillez vraiment à temps plein, tu as une femme aussi qui travaille à temps plein, vous devez combiner votre revenu ensemble, mais vous allez vivre bien si vous savez comment gérer l'argent. On a toujours dit, c'est mieux deux que un. Une personne, si c'est difficile pour toi, tu travailles, tu vois que ça ne marche pas. Si Dieu te donnait la chance de trouver une autre personne qui pourra, avec qui vous pouvez créer un empire ensemble. Si vous avez des visions, vous avez des plans, mais vous allez faire de grandes choses ici en Occident, puisque tout le monde est libre de passer, de faire ce qu'il peut faire. Il y a des Noirs qui ont réussi ici en Occident. Si vous regardez comment ils ont fait, ils se sont disciplinés, ils se sont donné une discipline farouche. Si vous n'avez pas de discipline dans la vie, vous n'irez rien. Vous n'irez aucune part. Si vous n'avez pas de discipline dans la vie, vous n'aurez rien. Disciplinez-vous. Il y a des gens qui sont ici en Occident. Ils travaillent deux semaines et ils laissent le travail. Ils travaillent deux semaines, ils laissent le travail. Mais pendant qu'ils savent que si vous les demandez même 100 dollars, ils vous diront qu'ils n'en ont pas. Puisque c'est la réalité, ils ne veulent pas travailler. Quand ils vous demandent de l'argent, vous ne donnez pas, ça devient un problème. Toi, tu travailles pour ton avenir, tu travailles pour un avenir meilleur. C'est un homme qui a des facultés, qui a des pieds, qui a des têtes, qui a des yeux. C'est lui qui va venir demander des prêts chez toi. Si tu disais non, puisque ton argent n'est pas à toi, tout ton argent est investi quelque part, il te prend comme un ennemi, comme un mauvais type. Pendant que vous tous, vous êtes exposés à des mêmes choses, à des mêmes opportunités, même travail, même école, même chose, mais elle, il ne se donne pas le temps d'aller apprendre. Il ne se donne pas le temps
d'aller travailler. Mais ils veulent seulement vagabonder. Ils sont devenus des vagabonds dans la rue. C'est eux qui vont derrière l'argent du gouvernement. Mais à la fin des comptes, c'est toi qui auras les promesses si tu ne les fais pas un coup de pouce. Ils vont dire que tu es orgueilleux, parce que tu as réussi, tu es devenu, tu veux vivre comme des blancs. C'est comme si quand tu es venu ici, on t'avait dit que tu vas venir vivre comme un noir, comme quelqu'un de la, comme un chef de la communauté. Toi, tu es venu, je suis venu seul. Tu es venu seul. Tu dois rendre tes comptes seul. Tu n'es avec personne, c'est toi, c'est ta vie que tu mènes. Si tu es venu pour blaguer, il y a d'autres qui sont venus pour chercher. Si tu es venu pour saper, il y a les gens qui sont venus pour investir. Si tu es venu ici pour danser, il y a les gens qui sont venus ici pour acheter, investir, pour devenir prospère, avoir de la prospérité financière. Mais vous, c'est à vous, le choix est à vous. Chacun a ce choix de faire ce qu'il veut. Moi, je suis ici pour vous donner une éducation de lumière. C'est ce que vous devrez faire ici en Occident. Tout ce n'est basé sur la musique, des polémiques, des choses qui n'ont pas de sens. À la fin des comptes, vous verrez que nous avons des comptes à rendre. Nous n'avons rien. Nous travaillons juste, juste, juste. Le salaire que nous recevons, c'est juste, juste, juste. Il n'y a pas un salaire qui est grandiose. Il n'y a pas de salaire qui nous fait vraiment tic au tac. Parce que nous ne nous sommes pas préparés pour l'Occident. Nous ne sommes pas préparés pour venir percer la société d'ici. Nous ne sommes pas préparés pour étudier les milieux dans lesquels nous vivons. Nous ne nous préparons pas pour étudier les systèmes. On veut seulement vivoter. On veut seulement vivoter. Au lieu de vivre, nous vivotons. Cherchez maintenant. Il est temps qu'on ouvre les yeux. Il est temps qu'on se prenne en charge. Il est temps de chercher les voies et moyens pour briser les rythmes, comment on dit, briser les cycles de la pauvreté et regarder comment on va créer un empire de la prospérité financière. C'est ça mon projet, c'est ça mon but. Moi, je ne suis pas venu ici pour échouer. Je suis venu ici pour réussir. Je vais faire tout pour passer. Je vais faire tout pour réussir. C'est pour cela que je ne vais pas aller seul de l'avant. Je ne suis pas une personne qui va seulement seule. Je vous appelle, je vous invite à venir qu'on marche ensemble dans la prospérité. On marche vers la prospérité. On marche vers la richesse. Ensemble. Je vous donne toujours des clés, des petites clés que vous devrez découvrir dans la vidéo ici, qui pourront vous ouvrir des portes de la prospérité, les portes du bonheur. C'est moi, Gilmas, le Noko des affaires, le Muyomba Yabatoto. Je vous invite toujours à vous abonner massivement à la chaîne ici, puisque les bonnes choses sont à la chaîne ici. C'est une chaîne éducative, une chaîne qui apprend, qui donne les idées à l'entrepreneuriat et comment investir. Donc, je vais vous éduquer sur l'entrepreneuriat et l'éducation financière. C'est ça. Je ne suis pas un financier, mais je vais vous donner mes clics. Je vais vous éduquer à travers et à partir de mes expériences. On est ensemble. Je vous aime trop et à la prochaine. Bye.